Silvio Berlusconi n'en a pas fini avec les juges. Récemment condamné à de la prison et à l'interdiction d'exercer un mandat public, le Cavaliere vient d'être renvoyé en justice pour une affaire de corruption. Le procès commencera le 11 février. Il est accusé d'avoir acheté un sénateur, accusation contestée par l'un de ses avocats. Malgré les déclarations du sénateur De Gregorio, nous maintenons qu'il n'est pas possible de prouver dans les faits qu'il y a eu corruption, a-t-il réagi. Sergio De Gregorio, c'est l'homme clé de cette affaire. Condamné à 20 mois de prison, il a reconnu devant les magistrats avoir reçu 3 millions d'euros pour rejoindre le camp politique de Berlusconi. L'intermédiaire serait son ex-associé Walter Lavitola, un proche du Cavaliere qui est également renvoyé en justice pour corruption. L'affaire s'était déroulée en 2006, quelques mois après la victoire très courte de la coalition de gauche aux législatives. La défection du sénateur De Gregorio avait fragilisé le gouvernement de Romano Prodi, qui chutera moins de 2 ans plus tard.